Salut à tous, Arizen. On est reparti en LFM aujourd'hui pour la deuxième course de la saison 10. Ça s'est bien passé en qualif. J'ai battu mon record de piste en 1:44.0. On est à 7 dixièmes du leader, donc c'est pas si loin que ça. Bon, on est quand même qualifié 22e sur 26. Bon, bah, encore une fois, on est 21e sur 26. Alors, je comprends pas, il y a un bug. Je sais pas ce qui se passe. Bon, la course précédente, c'est très très mal passé. J'ai regardé le replay, ouais, le mec. Il faut se dormir, il fait pas exprès quoi, donc on s'est perdu beaucoup en élo, en SR, mais bon c'est pas grave. C'est début de saison, on va laisser passer. On va essayer de prendre un bon départ comparé à tout à l'heure déjà. Allez, let's go. Ça se décale pas mal devant. Faire attention au T1 comme tout à l'heure. Déjà un contact. Bon, c'est pas possible. Hein. 7 secondes de dégâts. Ouais, Nessix il peut rien, il s'est fait mettre en travers par quelqu'un, mais bon. Voilà, si c'est leader qui se met en travers là, après c'est le carnage. Hein. J'ai essayé d'éviter comme j'ai pu, mais c'est trop compliqué. Regardez-moi ça devant avec sa BM. Il a freiné comme s'il était tout seul. Les mecs, ils roulent comme s'ils sont tout seuls sur la piste. L'avantage sur la FF. Devant sur un 3 ou 4 de front. Oula, gros crash. On a réussi à l'éviter. Mal placé. C'est un carnage ce circuit. Hein. Il y a des voitures partout. Allez, on se remet dedans. À chaque fois ici, on est trop lent. Oh, dommage que j'ai un peu de dégâts, moi. J'espère que ça va pas trop jouer sur la voiture. Oh, mes pneus sont assez froids.
On est remonté un peu sur le peloton devant. Allez. Complètement parti en glisse. Tous les efforts que je fais pour rien à chaque fois. Il va me dive bomb lui, c'est sûr. Elle a bien joué le coup. Et maintenant on remonte, hein. Sur une seconde seulement. La BM qui glisse. Il a l'air chaud quand même avec ça l'embout derrière. Qu'on perd du temps à chaque fois derrière la Ferrari. Enfin, c'est beaucoup mieux. Allez, let's go, une 44-7, c'est bien. Alors, on continue sur ce rythme. On va peut-être moyen faire quelque chose, mais plus, je pense que je suis pas assez bon en température. C'est un drapeau bleu, je crois, j'ai pas tout bien voir. On a du mal à remonter quand même devant. Je pense que derrière il est clairement plus rapide que moi, je ralentis pas mal. Il est chaud le putain.
J'ai pas mis assez de pression dans les pneus. Je suis en train de créer un petit train. Nous distancer devant. Carrément raté. Je vous n'importe comment, voilà, ici que ça va bombarder. Mon rythme de course, il est pas bon du tout. Hein. Parce que derrière c'est une BM. Pas bon du tout sur le circuit. Hein. À la mi-course. Allez, on lâche rien, il peut se passer des choses. La BM devant qui a la spi, derrière qui a la spi. Je pense qu'il va tenter. Un pilote BM, ça tente toujours. Hein. Ça passe ou ça passe pas, il tente. À cette place, il pouvait passer, je pense. Ouais, il forçait passer. Ça c'était sûr.
Ça c'était sûr. Pilote BMW, c'est toujours pareil façon. J'étais sûr qu'il allait dériver sur moi. Je crois que ce circuit s'est terminé pour cette semaine. Je crois que j'ai eu ma dose. Voilà, j'ai énormément de dégâts. Voilà, la course est foutue là. C'est pas possible. Il avait largement la place, mais il a ouvert son volant. Il a eu du sous-virage, et du coup ça m'a foncé dedans. Moi j'ai dû couper, je me suis pris les boudins et je suis revenu comme un pourrin sur la piste. Voilà. Et qui c'est qui va prendre une péno? C'est Bibi. C'est sûr. Pour peu que ce soit un Allemand, Un Allemand qui répare un Français, c'est toujours le Français qui perd. Ouais, les FM. Mais bon, on verra. En tout cas, cette saison 10. Saison 10, ça commence très mal. Et en plus c'est un avertissement de piste. Super. On est plaqué 19. 7 minutes de calvaire, allez, on y va, let's go. On positive un peu. Jaune, secteur 2, il y a beaucoup de casse. Hein. Depuis le début de la course, il y a eu beaucoup de casse. Une 48 devant.
soit accrochés tous les deux, ce sera possible. Il a un gros problème d'aéro avec la NSX rose, enfin violette plutôt. Ah, il a un gros problème d'aéro. Hein. On va aller chercher. Petite sortie de route devant. Il a fait plaquer 3. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a déjà des gros problèmes dans la course. Encore 3 minutes, hein. Je vais freiner sur le vibreur, perdu un peu de temps. Pas très nécessaire ça. Elle a encore 2 tours. On va finir 18ème, ça serait pas mal déjà avec les dégâts qu'on a. Ça serait même très bien. Allez, dernier tour pour le leader. Thank you.
Allez, dernier tour. La Honda derrière commence à revenir. Va falloir chômer. Le premier secteur, il est correct malgré les dégâts, mais après. Un cut. On va finir 18ème, un rang au-dessus de notre plaque. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle course. Allez, ciao.